Quand j'ai confié à Pierre, le jeune stagiaire à la chevelure elfique, que je n'avais jamais touché à The Witcher, quelque chose s'est brisé en lui. Il n'avait jamais autant pleuré depuis ce jour où il a entendu parler des dauphins qui meurent en s'étouffant avec des sacs plastiques. C'était tragique, vraiment. Il se demandait comment j'avais pu passer à côté d'un des meilleurs RPG de tous les temps. En plus, c'est pas comme s'il s'agissait d'un énième titre où l'on incarne des jeunes pré- ou post-pubères. Non, là c'est The Witcher, le jeu mature, celui où si tu offres des roses à la bonne paysanne, elle sait te remercier autrement qu'avec un bisou. Trouvons un endroit qui siéra davantage à votre beauté. Et c'est précisément ce genre de truc qui m'intéresse. Je vois. Enfin, les pas que, hein. On va pas résumer The Witcher à ses scènes de fesses. Mais c'est vrai que Pierre a su choisir l'aspect susceptible de capter mon attention, et donc celle de la jeunesse. Si je n'étais lesté de malheur, je nagerais volontiers avec vous. À l'origine était CD Projekt, une petite société polonaise fondée en 1994, qui a fait ses armes en traduisant et en localisant pour la Pologne, puis pour l'Europe centrale, des jeux comme Baldur's Gate, Icewind Dale et Planescape Torment. Là déjà, on peut se douter que les mecs, ils savent de quoi ils parlent en termes de RPG. C'est en 2002 qu'est lancé CD Projekt Red, une unité de développement interne, et fin octobre 2007 que sort le premier jeu du studio, The Witcher. Bien avant d'être un jeu vidéo, The Witcher était une saga écrite par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, dont le succès n'avait à l'époque presque pas retenti du côté de nos frontières. Vous comprendrez mieux plus tard pourquoi on parle des romans. L'univers de The Witcher est de fibre médiévale fantastique. On note d'ailleurs la présence des abonnés du genre, elfes, nains, chevaliers, prêtres, rois, etc. Et bien qu'à première vue, l'environnement ait l'air très classique, une patte inhabituelle inspirée par les légendes slaves vient bien vite surprendre votre sens du goût. Le personnage incarné est Geralt de Rive, un sorceleur. Bon là, si vous avez vu la minute du geek sur Elric, vous reconnaîtrez le look cheveux blancs et épée dans le dos. Un sorceleur, c'est un homme amélioré à grand renfort de mutagènes, dont la fonction est de tuer des créatures monstrueuses moyennant finance. Le tout afin de protéger ses anciens congénères humains, qui eux ne font appel aux sorceleurs que lorsque c'est absolument nécessaire, ces derniers étant coutumiers de la vie de mercenaires mal aimés. L'histoire du jeu se situe chronologiquement à la suite de celle des romans. Le joueur incarne le personnage central de la saga qui souffre d'amnésie. Cette facilité scénaristique assumée par l'équipe de développement lui a permis de mettre en place une histoire propre au jeu. Le joueur devra donc en quelque sorte reconstruire l'identité de Geralt de Rive, et cette réécriture n'aura de cesse de se confronter à des connaissances de Geralt, voire des proches qui ne manqueront pas de lui rappeler qui il était avant de perdre la mémoire. C'est moi. Cependant, même si les fans de la première heure du Loup Blanc ont pu recréer un Geralt de Rive tel qu'ils l'ont connu, le joueur néophyte peut influencer sur la nature du personnage lors de multiples événements où il est nécessaire de choisir le moindre mal. Et les occasions ne manquent pas. Car dans un univers aussi réaliste, il est extrêmement difficile de rester neutre face à des conflits raciaux ou culturels. Saurez-vous payer le prix de la neutralité? Ou laisserez-vous vos opinions et votre vécu IRL dicter votre conduite virtuelle? Je vous conseille de partir calmement. Un défenseur des non-humains! Bon, passons maintenant à des choses plus terre-à-terre. Geralt peut utiliser des armes ramassées sur les morts, lancer des signes, la magie utilisée par les sorceleurs, ou bien se servir de l'un de ses deux glaives, avec l'un des trois styles de combat disponibles. L'un rapide pour vaincre les ennemis agiles, l'autre puissant pour les plus résistants, et enfin le style groupe pour, eh bien les groupes. Un game system typé action RPG des plus classiques, mais néanmoins efficace. Il est également à noter que les deux glaives sont différents, l'un est en argent, tandis que l'autre est en acier. Et là, si vous êtes naïf, vous vous dites que le glaive en argent, c'est pour les monstres, et celui en acier pour les humains. Non, les deux sont pour les monstres. Geralt peut aussi cueillir des plantes et collecter des composants sur les monstres qu'il aura oxy, afin de créer des élixirs qui lui permettront d'améliorer temporairement ses aptitudes physiques ou magiques, ou d'autres à usage plus secondaire, comme voir dans le noir ou enlever la gueule de bois. Et ça vous servira, croyez-le, parce qu'il vous arrivera de devoir donner de la bouteille pour corrompre certains personnages. À plus tard. Sont également présentes des quêtes secondaires comme battre tous les bagarreurs professionnels des tavernes, ou vaincre au poker au dé les plus grands joueurs de Vizima. Les dialogues, quant à eux, ont une place importante dans l'évolution du jeu, l'interaction avec les personnages étant indispensable. On notera une quête où l'objectif est de déceler des traîtres par interrogatoire à l'aide de preuves ou de dialectiques. Les graphismes et la réalisation d'une manière générale n'ont pas trop mal vieilli pour un jeu sorti en 2007. On regrettera cependant le faible nombre de skins pour les PNJ peu importants, et on aura assez rapidement la certitude que cette vendeuse de viande de l'acte 1 a une sœur jumelle qui travaille dans l'administration dans l'acte 2.
Le prendrez-vous en pitié? Toutefois, ce manque de texture est compensé par la diversité de leurs personnalités. En effet, environ 140 profils différents existent, tous pour définir les actions des personnages que l'on croise. Cela allant du simple badaud au garde de la ville, en passant par le cantonnier, le jardinier, la laveuse de linge, le noble, la courtisane, le jongleur, le musicien, les enfants et l'habituel prophète fou. Nous sommes tous des pêcheurs! C'est entre autres ce genre de détail qui fait la différence entre un bon et un mauvais RPG. Dans The Witcher, les PNJ sont vivants et ont un comportement logique. Quand il pleut, ils vont se mettre à l'abri. La journée, ils travaillent. Le soir, ils rentrent chez eux pour dormir. Ils n'ont pas un rôle de panneau à distribuer des quêtes. Ça, il y en a un devant l'entrée des tavernes. On a l'impression en jouant à The Witcher, non pas de jouer à un simple RPG comme il en sort à l'appel, mais bel et bien de mettre un pied dans un univers cohérent et réaliste, et d'accéder à un prisme à travers lequel le joueur verra des choses bien familières. Des problèmes sociaux comme la sécurité physique des prostituées des bas-fonds, le racisme envers les non-humains, la montée du communautarisme, ou même la vie sentimentale et sexuelle du personnage. Embrassez-moi. D'accord. Ce traitement de sujet sérieux est à l'origine présent dans les romans de l'auteur, et a été fort bien adapté par les développeurs. On notera d'ailleurs la présence d'une référence au faux ouvrage « Les protocoles des sages de Sion », incarné dans le jeu par le pamphlet « Contre les non-humains ». Le tout au milieu de beaucoup d'autres références littéraires, cela va de soi. Et pour peu qu'on ait lu les romans ou les nouvelles, on repère très vite les multiples références qui y sont faites, ce qui est une forme de privilège, oui, élitiste, peut-être. Mais au lieu de crier au loup, vous devriez mettre votre nez dans les écrits de Monsieur Sapkowski. On ajoute à cela une mention spéciale pour la musique, dont la composition, les multiples influences, la précision de son incorporation et l'usage d'une multitude d'instruments inhabituels en font un vrai facteur d'immersion. Bref, The Witcher mérite largement sa place au panthéon des RPG. Son environnement tiré d'une saga reconnue rend l'immersion et l'identification très enrichissantes, et on ne peut qu'attendre avec impatience la sortie de The Witcher 2. L'existence de ce jeu a par ailleurs prouvé au monde entier que des pays comme la Pologne, qui ne sont pas connus pour leur production vidéoludique, sont tout à fait capables de se faire une place dans l'industrie du jeu vidéo. Let me tell you how Geralt escaped from prison. Surrounded by foes, guarded like a young princess's chastity, it looked like the Witcher was in there for good. But Geralt found a way. Guard! Why are you hollering? Do that again or I'll shut you up. Maintenant que les jeunes n'ayant pas eu la chance de vivre l'expérience The Witcher en savent plus, plongeons-nous plus avant dans cet univers extrêmement riche en compagnie du producteur Thomas Gopp, qui a eu l'amabilité de répondre à quelques-unes de nos questions concernant The Witcher 2. Un titre évidemment attendu par une communauté exigeante, les rôlistes, et donc susceptible de générer du stress auprès de l'équipe de développement, la suite d'un jeu culte n'étant jamais facile à introduire. I think that everybody who liked The Witcher 1 will definitely be a fan of The Witcher 2, because the way we approached doing The Witcher 2 after finishing The Witcher 1 was, okay, so let's see what people have to say about our game. Then we gathered everything that all, both fans, community and the media had to say about the game, and then we said, okay, so there are some praises, let's improve these features, let's change them, and there are some complaints, some remarks, and let's redesign those. So for example, story was written in the same manner. It's a brand new story, it's a huge, bigger story, but it's still non-linear, really full-bodied RPG story, so it was good, and it's going to be good in Witcher 2 as well, but some people complained about combat and redesigned it. Une refonte au niveau du système de combat donc, motivée par les retours des joueurs, mais également par la volonté des développeurs de partir sur de nouvelles bases, comme nous l'explique Thomas. The most challenging aspect of doing The Witcher 2, while doing The Witcher 2 Assassins of Kings, on the beginning of that game, we already knew that to do the game that would be better than The Witcher 1, we had to write our own engine. So in many turns and in many aspects, this step was like a leap of faith. We have to do, okay, it's a huge one, it's a challenge. I mean, it's a lot of work and we don't even know if it's going to work out in the end, but let's try. We did, it worked, and but it was a challenge. There were two main reasons why we have redone the combat system for The Witcher 2. The first one was that because The Witcher 1 was based on the BioWare's Aurora engine, more or less, but in the end, the combat was turn-based. It wasn't a fluid real-time combat. So
We thought that we definitely wanted to have a real-time combat, and this was one reason why we had to redo it for The Witcher 2. And the other reason was that there were people who thought the combat in The Witcher 1 was really advanced, really complex, but for some people it was too hardcore, too difficult, not intuitive enough. So what we've done, we definitely wanted to satisfy people that liked combat from The Witcher 1. So there is at least as much complexity and depth and advanced features in a combat in The Witcher 2. You can utilize really, really advanced tactics, mixing stuff and approaches towards fighting with your opponents. But on the other hand, if you are the kind of guy who doesn't like advanced stuff in the combat, you can choose easy difficulty setting and it will be really easy for you. You will be able to like mosh your button through most of the combat and you will get out of it. And on the other hand, since it is a real-time combat, you can mix anything, sword, magic, items, bombs, traps, everything. You can do it in a real-time however you see fit. It's just really good toy to play with. L'histoire, quant à elle, s'inscrit toujours dans cet univers créé par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, connu pour ses œuvres définitivement orientées héroïque fantasy, et mettra une nouvelle fois en scène Geralt de Rive, le sorceleur aux cheveux blancs. The story and the storyline in The Witcher 2 Assassins of Kings is the main feature of the game, so I do not want to spoil you what actually happens in the game, but I can tell you that Assassinations of Kings are going to be the main plot in the game, and the main hero, Geralt of Rivia, is going to find out who is behind it, what are, I don't know, emotional, political, or some other reasons behind it, and what actually happens if it tries to interfere and maybe save the world again. He never wants to do that, but he's just forced to do it from time to time. À l'instar du premier volet, The Witcher 2 proposera aux joueurs différentes manières de résoudre les conflits, ce qui évidemment influera d'une certaine manière sur le déroulement du jeu. Un aspect non linéaire que l'on trouve difficilement dans les JRPG, mais qui relève pratiquement de l'obligation dans bon nombre de titres occidentaux. We do not have to put non-linearity in the game in The Witcher 2. It's just that we think non-linearity is the best way to create a game that has like a dual approach. On one hand, we, the developer, writes the story and narrates the story throughout the game, and we give people the possibility to experience the adventure. But on the other hand, because of the non-linearity level, people choose their own kind of story, their own way through this story, and in this way they shape, they carve their own path, and it's kind of like a feedback. They tell us their own story, and we are really anxious to see which kind of a story, which approach through the non-linear storyline of The Witcher 2 will be the most favorite one, or it will be equal. Everybody will choose, like, the people will split between 16 different groups because we have 16 different endings. We'll see. Si cette philosophie de la non-linéarité se retrouve effectivement dans des titres comme Dragon Age, Mass Effect, The Elder Scrolls ou encore Fallout, CD Projekt Red, le studio en charge du développement, tient tout de même à rappeler fièrement et à juste titre ses origines d'Europe de l'Est. Même si cette position de créateur de RPG est difficile à tenir face aux grosses productions américaines et japonaises. I would imagine that it would be difficult for anyone to do a game so-called in the middle between the Far East, where you have Final Fantasy and all these JRPGs, and between the West, where you have Dragon Age, Mass Effect, and all these games that represent the Western style of playing. I mean, normally it would be, but we were lucky enough and we were in a comfortable situation because we had books of Andrzej Sapkowski. We had non-generic fantasy world. It's been well described in a lot of books, and it's really solid and consistent world that basing a game upon was quite easy. And in that terms, it really worked out well for us. And we did a game that is good, consistent, it has a great story. I mean, we were lucky to write a really good story that people like, but the world is consistent because we base it on a world that's already been described, that is bound by rules that worked in the books. So in that case, for us, it wasn't that hard. Une situation qui ne leur a donc pas vraiment posé de problème. Reste à savoir si The Witcher 2 saura rallier les fidèles et convertir les nouveaux à l'occasion de sa sortie le 17 mai prochain. Ah, il y aura la critique dans le prochain EXP. Ouais, on est comme ça.